coiffer. Pour commencer cette coiffure, je vais séparer la tête de Tiana en deux. Je vais séparer en quatre. D'accord. J'utilise le bout du peigne là, pour tracer. Maintenant que j'ai séparé ses cheveux en deux, je resépare encore. Je redivise en deux. On va prendre un peu plus derrière l'oreille. J'ai attaché section avec un élastique pour éviter que tout s'enlève. Je pars de derrière l'oreille et j'essaie de rejoindre le point. Voilà. Donc j'ai redivisé l'autre section également en deux. Je l'attache avec un élastique. Je fais pareil pour la section du bas. J'attache avec un élastique. Donc là, les cheveux de Tiana sont séparés en quatre. J'hydrate ses cheveux. Je m'hydrate bien avec la lotion. Et puis ça permet aussi de démêler et de faire en sorte que la coiffure tienne. Je les mets toujours d'abord avec les doigts. Comme ça. Et ensuite, je démêle avec le peigne. Une fois que la section est démêlée, je prends l'élastique et hop là, je vais lui faire une couette. Là, dans ça, je vais faire des lanières. Donc je sépare en trois, ça fera plus joli. Hop là, donc là j'ai trois bouts. Hop là. Donc je prends le premier bout et je vais faire des lanières dedans. J'ouvre en deux, je tourne. Voilà. Et je vais faire pareil avec les autres parties. Par contre, pour démêler, donc j'utilise un peigne avec des gros dents, parce que sinon le petit peigne ça va lui faire mal. Donc hop là. Voilà. Donc voilà, la première section est terminée avec les trois vanilles. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je retire l'élastique qu'on a mis pour moi. Maintenant les cheveux, je vais démêler, mettre de la lotion et ensuite mettre un élastique et faire les trois lanières. Je vais m'occuper de la section de devant. Donc toujours, je mets de la lotion. Je prends le bout du peigne et je sépare comme ça. Donc deux élastiques toujours. C'est un point qui me fait très mal. Voilà, donc je... T'avais vu? Une vanille, comme toujours. Tu ne sers pas les vanilles, hein, en bisous. Voilà, la section. Donc, je fais. Je veux dire à mamie que ça, c'est pour elle. Et ben, je vais reséparer ses cheveux pour faire des vanilles. Je prends le dernier quartier, je sépare devant, hop, là, faire le petit triangle. Je vais mettre un élastique. Partie là, je vais faire une vanille. Avec les cheveux restants, donc toujours je mets plein de lotion blanc. Et ensuite, je vais mettre un élastique et faire des vanilles. Coiffure hyper facile à réaliser. Par contre, moi, mon jeune, là, c'est un petit peu difficile. Et j'ai quand même envie de faire le perruque. Et donc, dans cette dernière section, pareil, je divise et je fais des vanilles. La coiffure est terminée. Ce que je vais faire, hop là, pour rendre ça un petit peu plus joli, je vais aller chercher des petits bijoux que je vais mettre et des perles. Voilà, la coiffure est terminée. C'était une coiffure rapide, réalisée en 20 minutes. La Titi est coiffée pour la semaine. Merci beaucoup de faire la vidéo. Au revoir.
et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.